Maître André Michel, Nenel Kassi, avec plusieurs autres tenants micro la presse pour bailler une conférence, yon façon pour yon capable adresser yon avec peuple haïtien, yon façon pour yon adresser yon avec DG Léon Charles, yon façon tout pour yon adresser yon avec pouvoir en place là, particulièrement président Jovenel Moïse, qui a lancé des paroles vraiment chopiquant, des paroles piment bouc. C'est comme ça, maître André Michel lui-même, lui tape lancé des paroles sous président Jovenel Moïse, qui a accusé président Jovenel Moïse de tout ça qui a passé en d'un pays, et fait quoi, yo même, yo prêt pour yo lancer tout bon vrai dans yon bataille, pour yo retirer Haïti dans ça qui est lié journée jodien. Maintenant de Michel pas de cacher péché pour accuser Léon Charles de toute sa cap rivé institution police nationale là, et faire qu'on est bataille qui gagne entre SPNH avec police nationale là, c'est Léon Charles qui la cause. Jean-Louis Julien, maître André Michel cap lancé des paroles piment bouc, nous pral laisso garder comment ça t'ayé nan micro la presse. Maître André Michel qui t'a bayon conférence, nous capable dit toute opposition était présent nan conférence de presse ça. Alors nous pral kito garder comment ça t'ayé avant même que nous laisso garder, et avant même que nous même nous fait plus analyse. On prend quelques secondes pour nous saluer et puis remercier ou même qui a regardé vidéo ça, ou même qui déjà abonné avec channel là, ou même qui a like, partager, sans oublier quitter un commentaire dans vidéo ça, ou même qui a regardé vidéo ça qui peut-être beaucoup abonné avec channel GNGA, n'a encouragé abonné avec channel là pour nous capable agrandir communauté là. On garder comment ça t'aille dans micro la presse opposition qui t'a ba une conférence, et puis après n'a tourner pour plus analyse. Il faut qu'il y ait une discussion entre les différents acteurs de la vie nationale. Il faut qu'il y ait une discussion avec la société civile. Il faut qu'il y ait une discussion avec l'opposition. Et nous prêts pour nous discuter avec l'opposition, avec la société civile. Et il faut discuter tout avec la communauté internationale là, parce que c'est eux qui parlent de Jovenel. Jovenel Moïse, ils sont restés avec lui. Ils ont discuté avec la communauté internationale là. Parce qu'il faut nous évacuer Jovenel le plus vite possible. Matin là, Jovenel Padoué là encore. Chaque jour, Jovenel Moïse passe dans le palais, c'est misère le peuple à la augmenter, c'est kidnapping à la augmenter. Ça me dit ça? Oui, il faut des discussions. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Il faut des discussions entre les différents secteurs de la vie nationale et la communauté internationale qui est le patron de Jovenel Moïse. Je ne vais pas le chita rester avec, qui demande à le finir. Le ça, pour nous capables. Évacuer Jovenel rapide, ça nous fait dans l'immédiat, et le ça n'a pas capable de monter un gouvernement avec des femmes et des hommes crédibles, mais Saint-Jean lui a capable de prêter serment, ou a capable de faire avancer pour ces massacres à la Saline, ou a faire avancer pour ces Petro-Caribé, ou a faire avancer dossier conférence nationale haïtienne souveraine, et ou a créer conditions pour élection faite dans le pays. Et c'est ça que la communauté internationale doit comprendre. Mon autre corps groupe sorti matin. On note qui signe par corps groupe. Ambassadeur Allemagne, ambassadeur Union Européenne, ambassadeur la France, ambassadeur américain, ambassadeur Espagne, représentant OEA et tant d'autres qui dit ouvre l'élection dans l'année 2021. Mais franchement, c'est ne pas comprendre la réalité. Aujourd'hui, la communauté internationale doit le comprendre. Jovenel Moïse, qui reste au pouvoir en dehors de la Constitution et des lois de la République, c'est le principal obstacle à l'organisation des élections. Ou pas qu'à mander pays, à mander opposition, ou pas qu'à mander société civile là, ou pas qu'à mander peuple là, puis à l'élection avec un nègre, mandat fini qui font coup d'état qui est mon pouvoir. Ou pas qu'à parler d'élections avec un conseil électoral, et Vonifère, mon religion pour la paix au avec Jovenel Moïse, qui est 9 membres PHT Canada. On va parler d'élection dans conditions comme ça, c'est gang kidnapping, capturer monde, kidnapper monde. C'est kidnapping qui a fait dans le pays. La police a fait bec à terre devant bandit. Les conditions ne sont pas réunies. Pour élection faite, pour un, Jovenel Moïse quitte le pouvoir le plus vite possible, immédiatement, parce que le mandat est fini depuis 7 février 2021. Deux, il faut un gouvernement avec des hommes et des femmes crédibles. Mais Saint-Jean lui prêtait serment.
pour une feuille de route, les sorts pour aller dans l'élection. Écoutez, nous sommes de l'opposition, nous n'avons pas peur d'élection. L'opposition n'a pas peur des élections. Au contraire, c'est ma conviction. Le jour où conditions réunies pour l'élection faite dans le pays, ce sont les forces démocratiques et populaires qui gagneront ces élections. Ça veut dire qu'il y a une bonne pelle. C'est Jovenel Moïse qui problème, conditions pas réunies, c'est pour une bataille pour l'élection faite dans de bonnes conditions. Voilà la position du secteur démocratique à ce sujet. Et nous clairs, nous pas côté peuple-là, nous pas trahir cause peuple-là. Et quel que soit le monde qui trahit cause peuple-là, nous combattons, nous dénonçons. Vous dites à la victime de répression syndicale, le secteur démocratique demande sa libération et nous apportons toute notre solidarité à sa famille et à toutes les policiers, à tous les policiers en situation de difficulté, en situation qui a subi répression syndicale dans le même état-major de la police. Là, je viens de dire déjà, Léon Charles, c'est l'ennemi numéro un de la police nationale d'Haïti. Il a tout fait pour briser, pour casser, pour détruire la PNH. Il fait All Black, il fait Team Léon, il divise la police, là. Il mette une sous l'autre, il négocie à bandit. Et pour le prochain chat, il quitte le cadavre policier, assassiné village de Dieu, 12 massio, chien à manger en bas. Bref, il n'a rien fait pour sauvegarder l'image de l'institution policière. Ils ont tué un policier pendant une zone d'aménage, il dit qu'il a volé les policiers à mourir. Bref, Léon Charles, c'est l'ennemi numéro 1 de la police nationale d'Haïti et le secteur démocratique et populaire apporte son soutien et sa solidarité à cette institution républicaine, la police nationale d'Haïti, qui a des responsabilités qu'elle doit assumer. Et nous croyons, font nos batailles pour la police capable de jouer en ligne correctement. Maintenant, sur cette affaire de médiation de religion pour la paix, c'est un dossier important. La position du secteur démocratique et populaire est claire. Le secteur démocratique et populaire est un groupe politique d'avant-garde. Nous avons accompagné le peuple haïtien pendant tout le mandat de Jovenel Moïse dans cette bataille pour la démocratie. Jovenel Moïse fait tout le mandat de la crise pays, secteur démocratique et populaire, nous fait tout le temps nous, nous beaucoup de peuple. Pas de monde qui a jamais oublié l'engagement député secteur démocratique de la Tévra. Pas de monde qui a jamais oublié l'engagement sénateur secteur démocratique là, de prendre en parlement. Pas de monde qui a jamais oublié la qualité de mobilisation nous fait dans le pays avec le peuple là, 2018, 2019, 2020, et jusqu'à aujourd'hui, la bataille continue. Secteur démocratique et populaire, pas de jamais accepté baptiser avec le diable. Nous sommes un groupe de conviction. Et le peuple haïtien peut compter sur le secteur démocratique et populaire dans cette bataille pour le changement de ses conditions de vie. Je veux dire, nous-mêmes nous dit, sous question médiation religion pour la paix, le mandat constitutionnel de Jovenel Moïse a pris fin depuis 7 février 2021. À partir de ce moment, pas rien aucune négociation avec Jovenel Moïse qui est possible. Pas rien aucun dialogue avec Jovenel Moïse qui est possible. Peuple haïtien, secteur démocratique et populaire, pas négocier et pas jamais négocier sur l'article 134-2 de la Constitution. Ça, nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons jamais faire. Et quel que soit le monde qui fait, nous avons en contravention avec peuple haïtien. Mandat Jovenel Moïse fini, pas de négociation, pas de dialogue avec Jovenel Moïse. Jovenel Moïse doit quitter le palais national immédiatement. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Pas de dialogue, pas de discussion avec Jovenel Moïse, pas de négociation sous constitution. Et n'importe qui qui fait, n'a pas combattu, n'a pas dénoncé. Deuxième bagaille, religion pour la paix n'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire une telle entreprise. Religion pour la paix pas qu'à faire médiation. Religion pour la paix charger problème. Religion pour la paix pas jamais prendre position sur l'article 134-2 de Constitution. Religion pour la paix pas jamais prendre position là où massacre moun la saline. Les ont tué mon bel air, les ont tué mon petit soleil. Les ont assassiné le bâtonnier d'Orval. Bonjour pour la paix, pas j'en prends position. Et vos
Tony Auguste qui est membre de Légion pour la paix, il y a un conseil électoral là. Légion pour la paix fait partie de la crise. On ne peut pas être à la fois jugé parti. Légion pour la paix est disqualifié pour conduire une entreprise de discussion. Et puis autre chose. Le Monseigneur Père André Dumas, qui sait, à mon sens, je l'assume, seul monde dans Légion pour la paix qui a un minimum de crédibilité, bon, on va voir dans la question de dialogue là. C'est Monseigneur Beauvoir qui a voué pied la droite à la gauche, avec le taux et les cléments, qui a viré, etc. C'est seul Monseigneur Dumas qui a un minimum de crédibilité. Information, il y a un bon dimamite, nous ne sommes pas dans le bagage ça. Parce que Monseigneur Dumas comprend que vous n'avez pas qu'à parler de dialogue. Avec un nègre qui a violé la constitution, avec un nègre qui a un mandat fini. Bon, religion pour la paix, chargé problème. Religion pour la paix, mais dans le propre, t'es la caille, il charge un problème. Je sais bien. Religion pour la paix, fait du compal. Religion pour la paix, chargé problème, il met dans le propre, t'es la caille. Religion pour la paix est disqualifié. Religion pour la paix n'a pas l'autorité morale et l'indépendance politique nécessaire pour conduire cette entreprise. Nous clair sur ça. Ça veut dire, si on joue à bien médiation, je le regrette, c'est pas, et comment il s'appelle, et Pasteur Beauvoir, ou bien comment il est Clément, Evonique Balmène. Franchement, c'est sûr, une plaisanterie que nous avons accepté, secteur démocratique et populaire, nous pouvons accepter nos médiations, et puis l'arrivée, c'est Evonique qui a un conseil électoral qui va le recevoir, nous, c'est Clément, c'est Beauvoir, nous foutons fort des poux et pouvoir avantage qui va le recevoir. Donc, franchement, ce serait une plaisanterie. Je vous donne la garantie, mes chers amis, cela n'arrivera jamais. Par contre, secteur démocratique, la quoi?